Hop là, donc on reprend Dino Crisis. Eh mais attends, le test. Il est fait le test, regarde, ça marche. Regarde. Mais moi, est-ce qu'on m'entend bien? Bah oui, on t'entend bien. C'est bon, là, je vais faire le test, c'est bon. Alors voilà, donc on reprend Dino Crisis. Salut. On a regardé des belles vidéos de Groland, fun. C'est vraiment énorme, avec un sadique et un enculé. Donc là, ouais, on l'a fait juste après la deuxième, enfin... Ouais, parce que... Ah, avant, après la première, je veux dire. Enfin, là, on a un peu refroidi, du coup, mais bon. Donc... Putain, il est où, mon portable? Putain. Tout du coup, il est en bas, ou non? Non, il est là. Voilà, donc les plans, on devait aller où? Ah, donc on peut ouvrir une porte ici. Cette porte là-bas. Bon, on va aller l'ouvrir. Et... Ouais, on va aller l'ouvrir. C'est magnifique. Putain, mais qu'est-ce que j'en ai branlé du... Chier. Il est pas sous la... Tu l'as pas posé là? Bah, je sais pas, je l'avais il y a pas longtemps. Ah, le voilà. Il est dans ma poche. Ok, laisse tomber. Ah oui, fais gaffe parce que tu as encore temps. Ah ouais, alors ceux qui m'ont fait chier tout à l'heure, et là ils sont deux. Mais ils étaient déjà deux, hein. Non, tout à l'heure il était tout seul en fait, il m'avait attaqué. Donc là, pour info, il est 3h37 du mat. Oh, regarde, oh, venez. Trop tard. Poste de repos, tu vois, c'est vraiment un poste de repos. Où il y a plein de gens qui se reposent. Ouais. Et c'est d'ailleurs le but. Qui repose en paix. Ouais, voilà. Enfin, en paix. Alors tu dis, ouais, un bâtiment joli et tout, ouais. C'est joli. Mais il y a un mort. Non, mais bon, ça y est, on s'y attendait trop pas, tu sais. Ouais, voilà. Oh, on va chat depuis le début. Une cheville, donc voilà. Mais c'est quoi ce bordel de cheville? J'ai toujours pas pigé. Bah, tu sais, tu les fous dans les boîtes. Ouais, mais pourquoi on en trouve partout là? Parce que sinon, il y a des boîtes où t'as besoin de beaucoup de chevilles, il y a des boîtes où t'as pas besoin de chevilles. On mémorise le plan, encore une fois. Et d'ailleurs, de ce plan là, on va le regarder. Et c'est génial parce qu'on a déjà les portes qui sont ouvertes fermées. En fait, elle mémorise le plan, mais elle est. Non, mais une mémoire de timbré quoi. Non, même pas. C'est Deus Ex, le truc a des implants. Ok, quand même. Ah, Deus Ex, c'est trop énorme. Non, mais regarde, elle sait déjà quelles portes sont ouvertes et quelles portes sont fermées. Elle est forte. Ouais. Ouais, donc on va aller par là. C'est Bioshock. T'as déjà joué à Bioshock? Ouais. Ouais? Ouais. Il s'est fait que ça? Tu connais pas? Non. C'est trop bon. Bah, apparemment, partout où j'ai regardé, il est putain d'apprécié. Même si je joue vidéo pas comme je dis là, OMG. Non, mais c'est pas juste un FPS en fait. Oui, je sais, c'est un PFF. T'es sous l'eau. Enfin, t'es pas sous l'eau, tu nages pas. Hein. T'es dans une base sous-marine en fait. Ouais. Et tu te fous des implants, c'est trop bon. Genre, tu t'implantes un truc, après t'as des guêpes qui sortent de la peau et tout ça. Putain, c'est pas. De toute manière, faut que je regarde, faut que je t'échappe. T'as des trucs, t'électrocutes l'eau, tous ceux qui se trouvent dedans. Enfin, c'est trop bon. Enfin, faut que je regarde, c'est quoi comme jeu. C'est bien que là, déjà, ta description à la con, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ouais, tu connais Deus Ex ou pas? Vas-y, prends pour une bite en plus. Bah, je sais pas si tu connais pas Bioshock. Pourtant, moi je connais pas parce qu'il est récent. Ouais, voilà. Non, mais voilà, c'est un peu le. Enfin, c'est pas exactement le même genre, mais c'est pareil, tu t'améliores, voilà. Mais tu sais que c'est trop bon parce que. Tu peux faire le jeu de différentes manières, quoi. Mais c'est tellement énorme. C'est comme Hitman, t'as pas qu'une seule manière de tuer un mec en fait. Ouais, enfin, c'est pas pareil. Non, mais je te parle juste de la manière d'accomplir ta mission en fait. Ouais, c'est ça. Manière. Enfin, là, t'en as beaucoup plus parce que tu développer tes compétences en informatique par exemple. Ouais. T'infiltres le réseau informatique du mec. Je parle plus. Allez vous faire. Non, allez, voilà. Non, on déconne. Ouais, chacun a ses préférences, mais allez vous faire foutre si vous voulez. Ouais, voilà. Alors P vers putain vers saloperie de test. C'est voilà. C'est toute l'essence de Dino Crisis. Alors voilà, il y a une carte. Mais comme par hasard, je m'y attendais pas. Et là, alors d'où il va venir, ton avis? Du plafond. Non. Une grille. Ah bah là ça change. Ah ouais. Un coup c'est le plafond, un coup c'est le mur, un coup c'est la grille, c'est. Voilà. C'est vraiment un jeu. Pas de jaloux, pas de jaloux. Et là on croit qu'il s'est rien passé mais en fait. Il va se bouffer. Ah il est beau celui-là. Ouais. Voyons ici un spécimen de. Merde, j'ai oublié d'appuyer sur X, je suis con. Oh bah, du coup, oh mon dieu. Ah il va t'arracher le bras là. Putain mais elle a un putain de bras en fait pour résister à ça. Bruine. Oh yes. Encore un petit coup là. Faut que la terre, vas-y. Ah vas-y, mange ça dans les dents. Quoi. Allez. Il est tellement énorme ce truc là qu'en fait j'ai utilisé mes toutes mes balles en fait. Ah merde. C'était le lance-grenade ça? Ouais. En fait les T-Rex tu les tues jamais en fait.
Bah non, parce qu'on a fait que le début du jeu, donc si on va pas les tuer. Ah, même à la fin, je veux dire, tu les tues pas. Si. Ah bon? Bah oui, sinon c'est pas fun. Putain, tu dois être une heure et demie. Oh merde, y'en a un autre. Alors là, t'es bien dans la merde. Tu le bats comment? Je le bats pas. Je l'esquive. T'es con, t'es retourné en arrière là? Non, 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 bah je venais du plafond, donc je peux pas revenir en arrière quand on faisant. Ah oui, je suis con. Et tu du stabiliseur. Et bien sûr, une salle très stable avec des dinos. Ah non, pas encore. Voilà, un code DDR. Dance Dance Revolution. Non, c'est DDK. Voilà, disque agenda. Un item qu'on va pas avoir maintenant. Qu'on va avoir plus tard. En fait, seulement si on choisit une manière de faire le jeu, en fait. Enfin, vous allez voir. C'est un truc, c'est vers la fin du jeu quand ça va commencer à devenir un peu space. Ah, un truc jaune. Alors, apparemment, il y a un code. Alors ça pourrait être important. Donc je vais vous laisser un peu de temps quand même. Enfin, non mais c'est gentil. T'sais. Le temps de mettre pause quoi. Ouais voilà. Parler de D là. Monkey D Luffy. Non, je... Oui parce que en fait ça concernera le disque agenda et tout. Et agenda. Et alors c'est pas, alors si vous avez lu vous voyez que ça parle d'initializer ou un truc et de enfin de deux machins. C'est l'air vachement intéressant. Et stabiliseur voilà. Et le truc ouais. C'est que comme je vais faire la manière de pas les monter. On les montrera pas donc on s'en branlera de ces codes là, enfin de ces trucs là. Bah tu verras plus tard pourquoi je parle de stabiliseur et d'initializer. Je m'en fous. Ouais. C'est un truc pour niquer des dinos? Non. Alors c'est de la merde. Putain. Oh là, capteur... l'esquive de la porte verrouillée. Capteur d'écran là. C'est énorme. Ah, oui, wallpaper là. Ah mais ouais. Au moins. Et hop là il me chope même parce que. Salle de repos des chercheurs, alors là en plus plein de chercheurs qui se reposent, y compris Gale. Bien sûr, c'est un chercheur qui se repose. Voilà, donc Gale toujours qui veut attraper Kirk comme un barjo. Depuis le début en fait. Mais en fait le truc c'est qu'il cherche ici mais il y a vraiment un passage ici. Ah il me semble qu'il y a un passage secret ici. Qu'on va découvrir plus tard. T'es obligé de le prendre ou... Non, on découvrira plus tard. Alors, genre d'un chercheur, on s'en fout. Signé M, tu vois, c'est James Bond. Signé K, c'est Kirk. K, c'est qui M? Signé John. Je sais pas, on s'en fout. Alors là, je vous ai laissé un peu de temps pour. Enfin, j'ai eu du mal. Tu parles. Là, ça commence à être là. Là, le soir, donc je commence à bafouiller un peu. Et donc. Et donc, le truc. C'est que là, bon, si vous voulez lire, ça commence à devenir un peu intéressant. Il parle de chercheurs et d'expériences sur la tri-énergie. Tiens, y'en a. Y'a un putain d'orage dehors là. Ouais, mais tant pis si on entend. Il faut la clé puce niveau A. Mais on l'a pas. Oh putain, ça va encore être un truc à la con ça. Ouais. J'approuve. Bon, voyons le plan. Donc, voilà. Donc, on a une porte qu'on peut ouvrir, mais malheureusement, y'a pas. Je ferme les volets. Ouais, bah un peu qu'il pleut. Ouais. Ouais, bah faut que tu fermes la fenêtre aussi si tu fermes le volet parce que... Oh, oh, ok. Alors lui qui se promène ici. Et comme vous pouvez le voir, je suis putain de fort parce que j'ai réussi à l'esquiver, ouais. c'est beau le... Yeah. Bah attends, même ici la pluie c'est magnifique, quoi. Voilà carrément. Tu après tu feras mini-sens de l'éclipse et tout et. Oh yeah. Par contre là ça va faire un putain de bruit bientôt. Ferme la fenêtre par contre parce qu'on entendra quand même la pluie. Non mais pour la pluie on entendra quand même. Oh regarde. Une personne qui est morte. On est trop étonné hein. Oh regarde. Ouais vas-y. T'as vu? Regarde, non mais regarde qu'est-ce qui s'est passé, il y a un détecteur d'armes. Non d'armes. Donc du coup ouais, donc du coup avec mon arme j'ai fait un petit qui est bien chiant. Et donc on va avoir, il me semble on va avoir une deuxième carte. Ah oui et là la carte, on va devoir encore changer notre carte ID. Non. Oh putain le coupon de 5€. Non mais de toute façon c'est bon, j'ai déjà acheté Trauma Center. Oh putain. Heureusement que cette vidéo là je l'upload pas bientôt, enfin, tout de suite bientôt parce qu'avec toutes les vidéos qu'on a fait.
parce que dès que j'ai trouvé ma center 2, je ferai une vidéo. Donc quand vous verrez ça, vous avez déjà vu la vidéo. C'est une vidéo de Rockstar, truc que j'ai roxé comme un pote. Ah, 2, ça doit je être. Connaissais pas le jeu, je l'ai roxé entièrement. Vous avez vu cette vidéo, c'était magnifique. Je sais pas encore, je l'ai pas encore filmé, mais c'est pas grave. Donc, si je me rétame comme un bœuf, ça va être épique.